Bonjour Virginie, pouvez-vous m'expliquer comment que Oxfam a calculé que les 8 institutions bancaires les plus grands au Canada sont le cinquième plus grand émetteur de gaz à effet de serre? En fait, je vais commencer par expliquer un peu qu'est-ce qu'on calcule dans le rapport, en fait. La chose qu'on s'est vraiment demandé quand on parle de projets polluants dans le monde, quand on parle de au Canada, on pense souvent aux compagnies pétrolières, on pense souvent au secteur du transport, mais on se pose rarement la question qui finance ces projets-là ou qui permet, qui commandite ces projets-là. Puis en fait, ces projets-là, bien en fait, ce sont nos banques canadiennes notamment, avec notre épargne, avec nos REER. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est calculer les émissions financées. Les émissions financées, qu'est-ce que c'est, grosso modo? Bien, nous, on place, par exemple, notre épargne, notre REER dans des banques, des institutions financières, puis celles-ci vont, à leur tour, soit octroyer des prêts à des projets, soit octroyer des prêts à des entreprises, ou encore faire de la spéculation boursière. Donc, nous, notre rapport calcule vraiment les émissions qui polluent en lien avec ces projets-là. Donc, c'est quoi la pollution qui est liée au projet que notre épargne finance? Donc, quand on a calculé tout ça, ce qui se passe en fait, c'est que notre épargne, oui, finance des projets au Canada, mais finance aussi des projets à l'extérieur des frontières. Donc, c'est pour ça qu'on en est arrivé à la conclusion que les institutions financières, les institutions bancaires finançaient 2,6 fois les émissions carbone du Canada. Donc, si c'était un pays, il serait le cinquième plus grand émetteur. Wow, c'est vraiment comme impressionnant. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Puis, en fait, l'idée, c'est vraiment, ce sont des données inédites. On n'avait jamais compris l'ampleur du problème jusqu'à aujourd'hui de dire de la part de la responsabilité du secteur bancaire dans les projets polluants, dans la pollution, dans l'empreinte carbone du Canada. Donc maintenant, on est capable de nommer, de chiffrer c'est quoi l'impact de ce secteur-là dans notre empreinte carbone. Et tout le monde doit utiliser une institution bancaire maintenant, ces jours-ci. Alors comment est-ce que les individus peuvent aider à cette cause? Je pense que c'est un peu ça que notre rapport veut mettre en lumière. En ce moment, il y a beaucoup d'opacité, il manque de transparence dans les pratiques des banques. Donc, par exemple, si je souscris à un fonds vert ou à un fonds durable, bien, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est dans mon fonds vert ou mon fonds durable. On a eu des exemples où les gens avaient un fonds vert ou un fonds durable, puis en fait, le financement qui était octroyé permettait à une compagnie pétrolière d'acheter une autre compagnie pétrolière. Donc, je pense qu'on est très, très loin de la volonté des gens de vouloir avoir des fonds verts, des fonds durables. Donc, en ce moment, nous, le rapport, ce qu'il dénonce, c'est vraiment le fait que les banques ne sont pas tenues de divulguer leur empreinte carbone. Il manque de transparence par rapport aux fonds verts, aux fonds durables. Et elles nous disent qu'elles vont atteindre la carboneutralité, mais elles n'ont toujours pas de plan pour ça. Donc, ce que les gens peuvent faire, d'une part, c'est dénoncer ces pratiques-là. Donc, nous, on appelle le gouvernement à faire une meilleure réglementation des banques pour que les banques soient obligées d'avoir plus de transparence par rapport à ces pratiques-là. Donc, ça, c'est la première étape. Puis, évidemment, bien, on invite les gens à prendre connaissance de notre rapport, à regarder comment les institutions financières, comment les institutions bancaires se classent, les banques se classent l'une par rapport à l'autre. Toutes les banques ont du travail à faire, mais c'est sûr que le rapport nous permet quand même de voir où chacune a du travail puis où chacune a fait des points positifs. Et les Autochtones, ils sont affectés de façon disproportionnelle par le changement climatique, oui. Et aussi ils mènent le mouvement environnemental. Donc, quels sont les impacts, pensez-vous, de ce rapport sur les Autochtones? Quelles sont les implications? En fait, puis ça, c'est très vrai. Dans le monde, on parle beaucoup de la justice climatique ou de l'injustice climatique. Les populations les plus pauvres, les populations marginalisées, qui sont les populations qui ont le moins contribué au changement climatique, sont celles qui, aujourd'hui, en paient le plus grand prix. Ce sont souvent des populations qui ont un rapport à l'environnement qui est très, très important aussi. Pour certaines personnes, de la destruction de l'environnement, ça peut dire « Ah, bien, il y a un parc où je ne pourrais plus aller promener mon chien dans ce parc-là, au fond, j'allais dans un autre parc. » Mais pour certaines communautés, c'est leur moyen de subsistance, c'est leur nourriture, c'est leur identité, c'est leur culture. Donc, c'est très, très important de protéger l'environnement dans ce sens-là pour ces populations-là. L'impact de notre rapport, je dirais, pour ces populations-là, c'est en fait toutes les populations qui sont touchées par les changements climatiques, mais surtout au Canada, c'est pour la première fois de nommer un problème, de le chiffrer. Donc, on n'avait pas de données pour comprendre l'impact que les banques pouvaient avoir dans les projets polluants au Canada. Donc, pour la première fois, on nomme l'ampleur de ce problème-là. Puis, on donne aussi des solutions. Nous, de notre côté, on donne les solutions de la régulation des banques parce qu'on veut que les banques aient des pratiques qui soient plus transparentes. Donc, je dirais que c'est comme un premier pas pour nommer le problème, pour provoquer la discussion, provoquer le débat dans ce sens-là.
Parfait. Et je sais que les recommandations touchent surtout aux institutions puis à la législation aussi, oui. Mais je me demande pourquoi il n'y a pas de mention des Autochtones dans le rapport, il n'y a pas de mention de la gérance des terres par les Autochtones qui est recommandée par le IPCC. Alors, je me demande pourquoi il y a cette lacune un peu dans le oui. rapport. En fait, je dirais que c'est vraiment un premier pas qu'on voulait faire. On voulait vraiment... Comme je dis, nommer le problème. On voulait le mettre à grande échelle. On voulait, parce que oui, ces projets-là, toute la pollution, puis les projets polluants ont un impact. Nous, notre rapport se limite à chiffrer l'impact sur l'environnement, mais ces projets-là ont aussi un impact humain qui est très grand. Puis on est absolument d'accord qu'on a fait une première étape, mais on reconnaît aussi que partout dans le monde, en fait, comme je disais, les populations... Au Canada, ce sont les populations autochtones. Ailleurs dans le monde, ce sont aussi d'autres populations qui sont touchées de façon démesurée par les changements climatiques. Et ce ne sont pas les personnes qui sont à la table non plus des discussions. Donc, elles vivent des problématiques dont personne n'est au courant. Ce ne sont pas eux qui sont là pour prendre les décisions. Donc, premièrement, on ne peut même pas nommer ces problèmes-là parce qu'autour de la table, les gens ne connaissent pas ces problèmes-là. Et puis, pourtant, ce sont aussi ces gens-là, ces communautés-là, ces populations-là sont vraiment porteurs de solutions. Puis, il faut que ces solutions-là soient amenées. En ce moment, on a une économie qui fonctionne... pour une poignée de personnes. Les richesses sont concentrées vers une poignée de personnes, une poignée de compagnies. Le pouvoir est concentré entre les mains d'une poignée de personnes, une poignée de compagnies. Et cette économie-là ne fonctionne pas pour la planète, ne fonctionne pas pour les gens. Elle fonctionne pour ces personnes-là. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est commencer par mettre en lumière les enjeux de tout ce système-là qui touche, oui, les communautés autochtones, qui peuvent toucher aussi d'autres communautés. Merci beaucoup. C'est tout pour moi. Merci. C'est un plaisir. Merci, merci.